vrai. Hein? Ah, ça c'est vous qui. C'est à vous de nous le dire. Ah, t'es un individu. Est-ce que vous avez même Bitumba au Tobunde la papa? Vous avez un combattant vieux. Vous avez même Bitumba au Tobunde. Le Congo nous appartient à nous tous. Oui, frère. Oui. Donc, non. Le Congo nous appartient à nous. Mais pas à Cameroun. Le Congo à nous tous, mais sauf Cameroun. Souci, non. Toyoka Vieta, Toyoka Ya, Toyoka Nan. Monsieur, surtout, tu auras un souci au Congo. D'abord, à chercher la voix. Est-ce que nous allons aux élections avec la machine à voter ou pas? Attendez. Écoute. Attendez. Tu as posé une question, écoute. Je vous écoute. Attendez, si vous mais nous le savons tous que la machine à voter, c'est la machine à voler. Écoute jusqu'à la fin, je finis sa phrase. Si vous voulez que je vous réponde, moi je vais vous répondre. Oui. Si vous ne voulez pas que je vous réponde. Non, moi je vais bien, je vais bien. Mais laisse-moi parler. Je vous écoute. On vous écoute. La question c'est que nous n'allons pas aux élections avec la machine à voter. Un point. Un point. D'accord. Ok. On se met d'accord sur cette question. Exactement. Deuxième question. Est-ce que nous allons avec un fichier électoral corrompu? Oui ou non? Nous disons non. Non. Il y a 10 millions de fictifs qui doivent être retirés, extirpés du fichier électoral. Ça va? Ok. Maintenant, je ne suis pas le porte-parole du groupe. Là, je vous donne la position de la Dynamique, qui est mon organisation, à la tête de laquelle je mets Martin Fayoum. D'accord. Voyez-vous? Le monsieur qui voulait parler. Le monsieur qui voulait parler, c'est son donc, président. Donc, le nom, c'est je suis M. Jean-Claude Dumont-Limoux. Je suis le secrétaire, le coordonnateur de la diaspora. Non. Laisse-le finir. Excusez-moi, je pose une question. C'est juste une question que je pose. Moi, je viens vers vous pour discuter avec vous, pour vous donner l'information. Ne vous fatiguez pas. Nous avons besoin de vos informations. On fait l'échange de paroles. Merci en tout cas pour. Là, donc, c'était vraiment prévu pour qu'on puisse savoir qu'on discute pour la machine à voter si on l'accepte ou pas. Mais j'ai déjà entendu que tous les opposants ont déjà accepté cette machine à voter. Et même le président Félix. C'est ce qu'il dit. Je ne peux pas parler à sa place. Voilà, okay. il a dit les machines à voter ou pas, oui, on ira aux élections. Oui. Non, moi je ne suis pas l'élu des PS, je ne peux pas parler au nom du président. Je ne suis pas non plus le porte-parole du président Félix Tshisekedi. Cette question-là sera posée à un membre de l'élu des PS. Ce que je vous dis, c'est que ceux qui ont suivi la dernière interview de Martin Fayoulou, il a clairement dit à la télévision, je suis le candidat numéro 4 pour aller aux élections sans la machine à voter. Okay. Si la machine à voter, je ne suis pas candidat. Ça c'est la position de la dynamique de l'opposition à laquelle je fais partie. Oui, moi je l'ai suivi. Et puis maintenant, s'il n'y a pas de machine à voter, qu'est-ce qu'on pense maintenant? On va faire comment si on n'a pas la machine à voter? Non. C'est quoi la solution maintenant? Si j'ai une solution qui est d'ordre stratégique, je ne vais quand même pas la livrer à la télévision. Non, justement pas. Alors. Mais moi, j'aimerais bien que vous savez que les peuples congolais veulent karma, le soulèvement populaire et surtout qu'on veut que tous les systèmes de Kabila là puissent partir. Dégage. Non, on ne veut pas, il y a des élections et qu'il y a toujours ces systèmes qui sont là derrière. Le problème que nous avons, nous, Congolais, nous avons des approches différentes. Il y a des gens qui ont choisi l'approche qu'ils appellent institutionnelle. Et d'autres, ils ont choisi l'approche qui est en dehors des institutions. Je respecte le choix des uns et des autres. Si moi je respecte votre choix, j'aimerais que vous puissiez respecter le mien aussi. Ok? Pourrais-je vous poser une question? Attendez que je termine. J'écoute, papa. Si vous voulez obtenir le soulèvement populaire, vous allez l'obtenir comment? Si vous ne créez pas les conditions d'un soulèvement populaire. Parlons peu, parlons bien. Et le soulèvement populaire ne relève pas d'une question qu'on parle comme ça, c'est une question stratégique. Mais stratégique, c'est les opposants qui doivent faire tout ça. Mais alors, vous voulez que j'en parle à la télévision? Non. Mais il faut justement travailler derrière. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. J'ai encore deux questions. Pensez-vous réellement que le deux Kabylie qui sont avec vous, quand je parle des deux Kabylie qui ont travaillé, avez-vous confiance à ces deux personnes? Posez-moi la question sur les Congolais. Avez-vous confiance à ces Posez-moi la question sur Martin Fayoulou, je vous réponds. Ne me posez pas la question sur d'autres personnes parce que je ne suis pas leur président. Donc c'est le seul monsieur Martin Fayoulou qui n'a pas accepté les machines à voter. C'est la seule. Mais attendez, monsieur Martin Fayoulou était à l'Assemblée. Oui. Depuis le 1er janvier, il a renoncé aux émoluments parce qu'il a dit que je ne suis pas candidat. Monsieur Batikité, moi je ne peux parler qu'au nom de Fayoulou. Ok. Parfait. Au nom d'autres personnes, je ne peux pas. Ok. Donc la dernière solution, vous n'allez pas nous donner la dernière solution. Vous n'allez pas nous donner la dernière solution, c'est que vous allez faire.
Moi, je suis dehors, alors que tous ces gens qui sont là-dedans, j'ai contribué. Quand on combattit la dialogue, je suis allé à l'ONU, j'ai participé. Et on ne peut pas rentrer. Alors, mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas être dedans? On a un moment, c'est pas tout le monde qui est venu faire le lèche. Bonjour. Vous soutenez par Moïse. Vous soutenez par Moïse. Vous soutenez par Moïse Gatoum. Vous soutenez par Moïse Gatoum. Hein? Vous pouvez accepter machine à voler. Hein? Non. Vous pouvez accepter machine à voler. Monsieur, est-ce qu'au Congo, on doit être soit de l'opposition, soit de la majorité? Il y a des gens, comme moi, je suis citoyen congolais, je suis devenu suisse, je travaille en Suisse. Je suis avocat en Suisse, je m'en fous du Congo. Vous en foutez du Congo? Ah, mais monsieur. Donc vous n'êtes pas congolais? Moi? Oui. Moi, je suis congolais. Alors, comment pouvez-vous dire que vous vous en foutez du Congo et puis vous dites que vous êtes un avocat aussi? Ben, je suis avocat, je oui. suis avocat en Suisse. Hein. Oui. Au Congo. Ah, d'accord. Ok. Ah, comme vous êtes avocat ici, donc le Congo, ça vous intéresse alors, plus. Je veux vous montrer une chose. Ce qui vous intéresse. Si vous voulez, je vous donne. Je vous montre. Vous voyez ça? Ça, c'est quoi? C'est ma thèse de doctorat. J'ai écrit sur la nationalité en droit comparé, droit congolais africain. Alors, au lieu de ce que ça dit, les gens peuvent s'inspirer de ça. Moi, je suis scientifique. Mais ouais, mais là, mais les paroles que vous avez vous-même sorties, que moi je suis un avocat, je m'en fous du Congo. Donc, vous voyez maintenant pourquoi vous êtes là pour faire votre mouvement à vous, parce que les Congo ça vous intéresse pas. Ce que vous intéresse au Congo, c'est quoi? C'est l'argent alors. Mais quel argent? Le Congo a l'argent. Ah, mais beaucoup même, c'est ce qui a fait que toutes les. Attends, vous allez. Vous voyez maintenant, ça c'est les gens qui tuent le Congo. Regardez bien. Hein? Ça c'est les gens qui tuent le Congo. Vous avez dit, soit l'avocat la majorité, s'il vous plaît. Et l'opposition et la majorité. Non mais quelle parole. Vous voyez pourquoi on se bat franchement? Vous voyez les paroles de nos avocats, parce qu'ils travaillent, sinon comprenez notre combat. Moi, je suis vraiment pas là pour mettre votre travail mal à l'aise, parce que je l'ai fait pareil, je fais les mêmes choses. Mais on l'accepte, on va pas rentrer, la limite est faite. Mais comprenez notre combat franchement. Et la dame là, elle va où? Non, elle est là. Regarde, il y a l'eau aussi. Non, il y a Camerounais. Vous revenez, moi le problème c'est que j'ai dit. Moi, il y a mon niveau, j'ai pensé que pour ma contribution pour le Congo, je voulais faire sur l'éducation. Coco Delta, partagez les vidéos. Pensez-vous pas que. Qu'est-ce qu'on doit faire pour chasser l'occupation qui est en place? Nous n'allons pas commencer à faire l'éducation du Congo avec l'occupation. Il faut prendre conscience, il faut faire prendre conscience. Par... Faut faire prendre conscience. Je vous ai vu, excusez-moi, avec un livre. Ouais. Ça nous parle de quoi? Alors, mon livre, j'ai écrit une thèse de doctorat en droit. Par rapport à quoi? J'ai comparé la question de la nationalité en droit suisse et droit congolais. Et voir dans quelle mesure le Congo peut s'inspirer du modèle européen pour régler la question de la santé. Ça veut dire que l'Europe ne fait pas partie. L'Europe ne fait pas partie de la Suisse, ne fait pas partie de l'Union Européenne. Et la Suisse, jalouse de sa souveraineté, reste à l'écart, mais il y a l'accord de libre circulation. Nous le savons. Donc pour moi, la question de la double nationalité, on doit l'accepter au Congo. Ou bien la double nationalité, pensez-vous vraiment que nous n'avons pas déjà assez de problèmes avec la Kabylie, qui est au pouvoir, qui a déjà une certaine nationalité douteuse, le Caméré qui est là, qui a une nationalité douteuse? Vous pensez pas que ça nous a pas déjà créé assez de problèmes avec
tout ce qui se passe au Congo par rapport au coltan, au diamant de sang, le cobalt de sang. Pendant que vous vous en foutez du Congo, plein d'enfants sont violés, les mamans sont violées, tout ça, donc voilà. Vous ne pensez pas, monsieur ? Vous ne pensez pas ? Ça va, maman ? Je réponds à votre question. Mais si quoi, Okuna, au moins du bâton. C'est sincère, je vous dis. La question de la nationalité. La question de la nationalité, ce n'est pas de dire. À travers des textes qu'on n'est pas, qu'on accepte la nationalité. L'exemple que vous venez de donner, si c'est vrai. Si c'est vrai, moi je vous dis, ah, parce que vous, vous ne pensez pas que c'est vrai. Justement. Vous êtes bien avocat. Mais vous n'avez pas fait des recherches par rapport à Camer, à Camere. Quelle est votre présence ici en fait? C'est pour se présenter. C'est quoi votre présence? C'est là l'intrigue. Votre présence ici parce qu'il y a les opposants ici. C'est quoi votre présence ici avec vos livres parce que vous en avez rien à foutre. Répondez s'il vous plaît. Par rapport à la nationalité, je vous dis, je suis sans. Ça on a compris. Quelle est votre présence ici? Je suis scientifique. Un scientifique doit avoir parlé scientifique. Pour moi, je prends la première nationalité. C'est que je dénonce les. Un avocat qui prend les premiers mots. Qui dit que je m'en fous de vos Congo, je m'en fous du pays. Et puis maintenant tu veux nous mettre à l'aise de nous mettre ton psy merde. Mais c'est gars putain. Ah là là, mais non. J'y crois pas quoi, j'y crois pas. Non. Et Tigaya Kende, laisse-lui partir. Ils font rien ces gars, laisse-lui partir. Ils font rien. Nous arrivons à savoir qu'il y a des collabos. Vous savez, 40 à 45, il y avait des collabos quand Hitler tuait tous les juifs. Mais maintenant, on tue le peuple congolais et regardez, ils viennent ici se réunir. Se réunir pour parler du Congo, hors du Congo. Se réunir par rapport à quoi nous posons la question. Ils disent que, oui, voilà, c'est par rapport aux élections. Mais vous êtes journaliste. Élections, il y a des combattants. Voilà, c'est pas pour les peuples. Pour l'opposition. Suivez-nous. Avec l'opposition. L'opposition, ils veulent aussi travailler avec les gouvernements. Ils veulent aller aux élections. Et c'est les élections là. Et vous voulez pas les élections? Nous, on veut pas les élections. On veut que le soulèvement populaire soit fait. Et que pour que le soulèvement populaire soit fait, il faut que toutes les opposants se mettent d'accord. Qu'on puisse soulever le peuple congolais. Et ils vont pas venir ici pour négocier de travailler avec ce monsieur. Il doit venir ici pour négocier comment on va soulever ce peuple congolais et tout. Non, ils sont là pour autre chose. Pour l'argent de Moïse Katumbi, c'est lui le millionnaire. Les Félix Tshisekedi, les papas, c'est les millionnaires. Donc des premiers ministres anciens. Donc aujourd'hui, ils sont juste là pour jouer avec le peuple congolais. Et c'est pour ça qu'on veut les faire comprendre qu'ils ne peuvent pas venir dans les autres pays ici pour faire leurs conférences à l'aisement et que nous les peuples congolais on est là en train de les regarder faire leurs conférences pendant que les enfants sont violés en Afrique, pendant qu'il y a la guerre à Béni, pendant que... Mais pourquoi biso tozo kotate vraiment? Pourquoi tozo kotate? Yango siko vuma biso to soutenir en to soutenir bino boye. Bonne organisation. OK. On est là devant l'hôtel Warwick à la gare de Genève et puis on est là pourquoi? Parce qu'on a 30 on est. Mon pays, il est en guerre. Mon pays, il est en deuil. Mon pays, on viole les enfants tous les jours, les matins, au soir. Mon pays, on viole les mamans, les matins, au soir. Et chaque seconde. Donc, aujourd'hui, on est là, justement, pour empêcher tous ces gouvernements qui nous tuent tous les jours, qui sont là, chez nous, pour qu'ils nous expliquent pour quelles raisons ils sont venus faire leur conférence ici, qu'on avait dit que personne ne se mette ici. Voilà. C'est qui sort bientôt là? C'est qui? Venez, vous êtes filmé. Allez. C'est qui va entrer, s'il vous plaît?
C'est qui entre? Vous voulez pas me frapper? Frappez-moi s'il vous plaît. Dommage. C'est au Congo, on serait même pas comme ça. Au Congo, on aurait déjà une balle dans la tête. Hein. Ah oui, si c'était au Congo. Aujourd'hui, il ne parlait pas. Mais il y a juste un opposant qui est venu, qui est parti de Belgique, il y a 10 ans. Ici, ils peuvent pas. Hein. Et il a juste dit que non à ce gouvernement aujourd'hui qu'on parle là. Il est sous terre. Ils l'ont buté. Il n'a rien fait, les gars. Bien, viens. Ok, bon, bah, nous sommes battants. Oui, Olia. Non, y'a les gars, y'a, viens. Y'a les gars. Ok, laisse ça. Mon cher, ça va. Ça va, papa. Tu filmes. Je filme parce que t'as là bas opposant au bazar. On va les voir. Ah, ok, nous sommes bons là-bas. J'ai des nouvelles à Eric Kambola. T'as vu? J'ai dit. Eric Kambola. Nani amo yu. Vas-y, filme. Donc, il y a un peu là. On a la maman. On aimerait juste savoir pour quelle raison vous êtes là. Je voulais voir qui c'est qui là. Qui? On m'a dit qu'il y avait Jean-Pierre et Moïse. Tout à fait, mais pourquoi voulez-vous les voir? Mais laisse pas rentrer les gens. Mais nous, on veut rentrer aussi qui nous laissent. Parce que. Vu qu'on est les combattants, voilà, ils nous laissent pas. On sait tous que la plupart qui entrent là, c'est pour faire du djalélo. Il faut quand même m'écouter. Écoutez pour. Non, on n'en discute même pas. Mais vous allez là-bas aussi pour faire du djalélo. Pas du tout. Film. Non. Écoutez. Non, ça c'est très bien qu'on ne rigole pas avec ça. On ne rigole pas avec ça, c'est le coton du sang. Comment il est corrompu. Je t'ai dit. Tobunda. Sinon, depuis Kalandé, il n'y a pas bima déjà. Vraiment, je ne suis pas là pour vous mettre mal à l'aise, hein. Franchement. Nous, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas. Tout à fait. Ce sera à votre place pour être un peu comme nous. Ça, c'est sûr. Donc, il paraît qu'ils les ont fait sortir par en arrière. Moi, je dois rester devant en cas où ils ne nous font pas les sales coups. Et tout ça, donc je laisse d'autres qui s'occupent de lui derrière, là-bas. Et pourquoi ils nous fouillent de nous? En plus, on n'est même pas beaucoup, hein? Ils peuvent nous dégager la minute à l'autre. Ils nous fouillent. Et ça, on ne comprend pas. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'en pleurais tout à l'heure à tous les Congolais qui sont à Genève et tout ça, les jeunes et tout, qui viennent nous rejoindre ici à Hôtel Warwick, parce qu'il y a des opposants qui sont en train de ramener ce gouvernement qui nous tue le matin au soir au pouvoir par la force encore. Et là, on veut vraiment qu'ils nous expliquent pour quelles raisons et pourquoi ils viennent faire les conférences ici. Pourquoi pas à Paris, pourquoi pas ailleurs ici? Ici, pourquoi? Moutabimiate. Il n'y a personne qui est sorti par ici. Ils vont sortir ici. S'ils n'ont pas sorti là-bas, ils vont sortir ici. Tu crois qu'on va le voir, il y a la lumière là. Ah oui. Désolé, on est plus malheureux. Félicitations, la fête est calme là. En tout cas, ils nous ont vraiment bien fait. Hein. Ils nous ont vraiment bien fait. Tu vois les trucs? Fali dans le coin, Bangopé dans le coin. Donc tout le monde, musicien, tout le monde, ils sont ici. Et on voit, ok, tout le monde n'a pas combattant, hein. Tout le monde n'a pas combattant, dans la minute.